Chérie, ça vous te montrer que tu es joli que toi, champion. On dit le... Mimi! Mais ça va, Mimi, Tao! Mais waouh, waouh! Yeah! Mais tu es bête, mes petits. Tu vas parler avec le Jojo. C'est le Jojo. C'est moi qui t'ai inspiré, petit. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède, à des firmes. Salut les amis, vous venez de voir l'élément. Voilà, je vais en parler dans cette vidéo. Parce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Et je continue de voir beaucoup de choses. C'est déplorable, mais bon. Puisque j'ai cette petite licorne là pour essayer d'éveiller certaines consciences et attirer l'attention de certaines personnes sur certains sujets. C'est pourquoi je me permets de faire encore cette vidéo là. Et comme je l'ai titré, cette vidéo là, elle est sur des Bordeaux et son ami. Son ami très 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 proche. Voilà. Avant de commencer, je vais commencer par un propos que les deux artistes aimaient dire. Notre feu Didier Arafat aimait bien nous dire. Quand il y avait réconciliation avec son ami des Bordeaux, que c'est juste pour le buzz, c'est juste pour du marketing. Donc, pour vous dire quelque part, que de Bordeaux Likoufa n'invente pas. Voilà, il est autant peiné que vous. Je dirais même peut-être plus. Parce que, mine de rien, il y a une vérité qu'il faut reconnaître. Il y a une vérité qu'il faut savoir. Il y a une vérité qu'il faut retenir. C'est que ne comparez pas votre douleur avec des personnes qui ont partagé le quotidien de l'artiste. Quel que soit leur défaut. Vous comprenez un peu, non? Je comprends votre douleur. Je comprends votre position. Je comprends vos arguments. Je comprends vos réactions. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes, l'heure n'est pas à ce genre de réaction. L'heure n'est pas à ce genre de vidéo-là. Chers amis, autant que vous, de Bordeaux Likoufa a très mal. Il a beaucoup mal. On a bien vu l'hommage de l'artiste sur la RTI. On a bien vu le visage. On a bien vu ce que l'artiste ressentait. À peine s'il arrivait à s'exprimer. C'était avec beaucoup de douleur qu'il essayait d'expliquer un tant soit peu ses sentiments face à cette nouvelle-là. Les amis, je vous ai déjà dit que si je fais cette vidéo-là, c'est parce que moi, Héritor, avec tous les défauts que j'ai, je souhaiterais vivement et en toute sincérité que l'artiste Didier Arafat et son âme reposent en paix. Voilà pourquoi je fais des vidéos, en fait, depuis sa mort. Parce que les règlements de compte-là, on va en faire, ne vous pressez même pas. Ça, une chose est sûre, c'est que quand nous allons finir d'enterrer le deuil de notre féroïté Didier Arafat, il aura beaucoup de révélations. Il aura beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent beaucoup, mais qui se sont tues juste pour l'avancée de ce mouvement-là. Juste pour ne pas se créer des ennuis. Mais on est arrivé à un certain stade où on s'est dit, si Didier Arafat, qui avait toute sa vie devant lui, qui avait tout son talent, qui avait tous ses fans derrière lui, est parti aussitôt, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? Juste pour vous dire de ne pas vous attaquer à qui que ce soit. De ne pas vous attaquer à qui que ce soit. Surtout à l'artiste de Bordeaux Likoufa. Les amis, rappelez-vous, toujours moi Héritor, Dieu merci, Dieu ne m'a pas encore rappelé auprès de lui. Pour ceux qui me suivent il y a longtemps, il y a une période où de Bordeaux et son ami, son défunt ami, étaient dans une guerre pas possible. Où même, on a essayé même d'attirer l'attention des autorités, on a essayé d'attirer l'attention de grandes personnes pour essayer de créer une médiation. Mais vous, moi, la plupart des fans n'y croyaient même pas. Mais rappelez-vous que moi, Héritor, je faisais des vidéos dans le temps pour dire que je crois en cette réconciliation-là. Même si elle n'a pas duré, mais moi, je croyais. La réconciliation virtuelle qu'ils nous ont montrée là, moi, j'y croyais. Mais beaucoup n'y croyaient pas. C'est pour dire que quand vous pensez que c'est celui-là le sorcier de votre proche, mais celui-là le sorcier de la personne que vous aimez là, peut-être que vous vous trompez. Peut-être que vous vous trompez. Parce que c'est pas intéressant que nous sommes en plein deuil et puis vous, dans votre douleur, vous, tout ce que vous savez faire, et ça c'est courant en Afrique, c'est accuser autrui. C'est lui là qui a fait que c'est arrivé. C'est celle-là qui a fait que c'est arrivé. C'est pas intéressant. Respectez aussi la douleur des autres. Respectez leur douleur. Et de la même manière que vous avez mal là, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ressentent aussi. Parce que moi je dis, si tu aimes vraiment ton artiste, tu auras toute l'attitude nécessaire pour que son âme repose en paix. Tu feras tout pour que là où il se trouve,
il soit content de ses fans, il soit content de ces personnes-là qu'il admirait. Parce que vous voir attaquer des Bordeaux comme ça, c'est déplorable. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le premier élément que j'ai mis en début de vidéo, là, quand vous écoutez l'élément, là, est-ce que, à part des Bordeaux, DJ Rapat peut avoir ce genre de conversation-là, aussi décontractée, aussi relaxe avec un de ses confrères? Je parle de ses camarades chanteurs du coupé décalé. Ce genre de relation-là, ça va être des Bordeaux seulement. Que DJ Rapat avait ça. Donc respectez ça. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos comme ça pour vous montrer que les gars n'étaient pas emparables. Effectivement, ils n'étaient pas emparables. N'attendez pas la mort de DJ Rapat pour venir dire aujourd'hui que c'est des Bordeaux votre sorcier. Ce n'est pas intéressant. Quand vous le faites, vous ne respectez pas la mémoire même de l'artiste. Parce que je vous avais dit, malheureusement, l'artiste n'est plus. Que tôt ou tard, ces deux-là se réconcilient encore pour vos beaux yeux. C'est ce que vous voulez voir. Ils vont venir faire une scène encore comme ils l'ont fait. Et puis après, ils se sont séparés en queue de poisson là. Pour vous montrer. Mais dans le secret des dieux, il n'y avait pas de problème. Ils étaient en parfaite harmonie. Arrêtez un peu, les amis. Moi, je comprends votre douleur. Hein. Je comprends votre douleur profondément. Mais respectez la douleur aussi des autres. Parce que personne ne peut comparer sa douleur à celle d'autrui. Parce que tu ne sais pas ce que l'autrui ressent actuellement. C'est une perte national, tout le monde a mal. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, les gens pensaient que DJ Rapat, ses fans, c'était les enfants. C'est la tranche de peut-être de 10 à 18 ans. Mais depuis sa mort, on a tous constaté, on a tous vu qu'il n'en était rien. Que c'était au-delà de cette tranche d'âge-là. On a vu beaucoup de personnes exprimer leur mécontentement, exprimer leur douleur. On les connaissait même pas, on les avait jamais vus. De son vivant, tous croyaient que DJ Rapat était détesté. Tous croyaient que DJ Rapat était le démon de la musique ivoirienne. Tous croyaient que DJ Rapat en voulait à ses amis. Mais au fond, ils ont compris depuis son départ que c'est lui qui a été pour beaucoup dans la carrière de ses amis. C'est lui qui a fait que ses amis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de venir accuser n'importe qui et n'importe comment. Je vous demande pardon. Attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. Et puis enterrons dignement et de la plus belle des manières notre DJ Rapat. Après là, les palabres là, on va faire. On va faire. Parce que plus vous vous comportez comme ça, plus de Bordeaux, l'Ikoufa, là où il se sent encore plus mal. Parce que vous n'êtes pas à sa place. Il va se dire, mais ces gars-là, ils ne comprennent pas. Hein? Vous nous voyez sur les réseaux sociaux, vous pensez que... Mais on n'était même pas obligé de vous faire écouter la note que j'ai mise en début de vidéo. On n'était même pas obligé. Si je l'ai fait, je l'ai fait exprès. Pour faire comprendre à certaines personnes que les gars-là, ils s'aiment beaucoup. Et toi-même qui es en train d'accuser de Bordeaux aujourd'hui, vous-même qui êtes en train d'accuser de Bordeaux aujourd'hui, et je ne sais d'autres personnes-là, vous savez que de Bordeaux, les gars, ils s'aiment beaucoup. Mais ils étaient très concurrents dans la musique. Ils avaient le même tempérament. Raison de plus pour comprendre pourquoi ils étaient si proches, si complices. Arrêtez un peu. Respectez la douleur de Bordeaux Likoufa. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Les dates des obsèques de la tuerie sont connues maintenant. Jusque-là, le stade Oufou Boigny ne nous est pas encore donné. On est en train de partir vers l'obtention de cet espace-là pour commémorer notre regretté frère DJ Rapat. Mais n'abusons pas. Finissons de l'enterrer et puis après on va faire nos palabres. J'insiste, hein, les amis. Finissons de l'enterrer et puis après on va faire nos palabres. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Je vous demande humblement pardon. Je ne suis rien, mais je ne vous ai pas insulté dans cette vidéo. Arrêtez d'accuser les gens. Qu'on va finir de l'enterrer là. On va faire nos palabres. C'est ce que j'avais à dire. Donc, beaucoup de courage à la famille. Beaucoup de courage à des Bordeaux. Et puis, on est ensemble.